le livre des damnés. Lisez Charles Fort, s'il vous plaît. Charles Hoy, I-H-O-Y, Fort. C'est un Américain des années 1900-1930. Ça vaut vraiment le détour à tout point de vue. Et vous verrez que les films, même LRDP, c'est pas de ce niveau-là. C'est très différent. Néanmoins, la qualité de l'ouvrage surpasse tout ce qu'on pourrait lire dans ce genre de nos jours. Charroux est laissé ici, Daniken là et tout ça. Charles Fort, c'est le dessus du panier, lisez-le. Surtout que c'est très attrayant et il vous donne un exposé de manière analogique aussi, qui rejoint celui que j'offre moi dans les films, à savoir, si vous ne suivez pas la voie tracée par l'analogie et la polarité, vous n'avez pratiquement aucune chance de comprendre ce qu'était la pensée des anciens et leur mode d'exposition de la pensée.